La pandémie nous a prises en pleine accélération du projet, puisque le chantier était en train de sortir de terre et qu'il a fallu poursuivre et même augmenter le travail sur les études pour assurer le développement des travaux. Le confinement a démarré à partir du 16 mars. Tout le monde a rejoint son lieu de confinement. Il a fallu s'adapter à cette nouvelle situation et permettre à ces études d'apporter tout ce qu'il fallait au chantier pour qu'il n'y ait pas d'arrêt. Notre plus grand défi à ce moment-là, c'était de garder les opérations en continu. Les premiers impacts qu'on a eus, c'est que le nombre effectif a fortement réduit sur chantier, on était à peu près à 30% des effectifs. Cela a été dû principalement au fait qu'entre villes, les ouvriers ne pouvaient plus circuler. Donc là, on a dû prendre des mesures un peu plus particulières pour essayer de continuer les activités très spécifiques sur chantier, que nous avons réussi quand même avec un grand succès. Ça nous a permis de finaliser les grues tours, qui sont très importants pour le projet. Donc cela, on a pu les monter, les faire certifier. En parallèle de ça, on a travaillé sur le noyau principal, qui est le corps de la tour. Et aujourd'hui, on a effectué à peu près 4 montages du noyau principal pendant cette période difficile. Même si le système de vidéoconférence était déjà bien établi puisque les équipes sont internationales, il a fallu accélérer, compléter ces réunions jusqu'à 1, 2, 3 fois par jour pour s'assurer que le développement des études pouvait se poursuivre. Donc chacun de son côté, qui à Paris, à Bruxelles, Barcelone, Madrid et bien sûr Casablanca et Rabat, s'est mobilisé pour pouvoir assurer l'avancement du projet. On est tous là à Rabat sur chantier, donc réunis pour faire un point sur l'avancement du projet, notamment sur le point du cône sur lequel vous nous avez fait des propositions et des images. On voulait échanger avec vous pour avoir plus d'éléments et pouvoir discuter de la faisabilité technique du concept architectural. Si vous le souhaitez, je vais partager l'écran. S'il vous plaît. Après 2-3 semaines, on a quand même pris la décision de remobiliser tout le monde sur chantier, aussi l'encadrement, avec le respect du social distancing, qui nous permettait de travailler quand même encore plus efficacement pour garder le projet en continu. Peut-être l'aluminium à Odyssée ou même chantier les matériaux, la même forme, la forme de l'efficier, la forme verticale de tous les settings à l'arrière, mais avec un autre matériau, peut-être un matériau pêtre, un matériau de pierre ou même de bois. Je suis très, très ouvert. Effectivement, donc, la configuration sur la façade sud va être différente. Mais c'est aussi en fonction de la transparence, un traitement à faire qui doit être aussi harmonieux puisqu'il sera quand même vu en transparence du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on est très content qu'on est à la fin du confinement et qu'on peut reprendre toutes les activités comme ils étaient avant et qu'on puisse continuer sur un projet magnifique pour le Maroc dont on est très fiers et de pouvoir aboutir avec un grand succès pour le pays. Oui, c'est vrai qu'on est content de retrouver une activité relativement normale sur chantier. Je pense qu'on a atteint aujourd'hui 450 ouvriers sur chantier. Les chiffres de nuit aussi à redémarrer. Donc maintenant, on a ramené, nous, 70, quasiment 75% des staffs ici dans les bureaux à Bruxelles, ce qui permet de trouver un rythme de travail plus normal. On a quand même des équipes qui étaient basées à Dubaï, des équipes à Paris, à Londres, à Bruxelles, au Maroc, et d'essayer de rentrer le plus vite possible dans le cycle d'un niveau par semaine. Je pense que c'est ça que le chantier a besoin pour aussi voir et prendre de la hauteur. Sinon après, oui, il y a quelques photos que tu vois de différents coffrages d'escalier. On voit les dalles se mettre en place. La dalle haute du sous-sol, ce qui est bien de voir en gros le premier niveau se mettre en place. Thank you.
Là, en fait, on est dans un projet de la tour Mohamed VI qui va atteindre une hauteur de 250 mètres d'hauteur. Qui dit hauteur dit plein de défis à assumer. Du coup, on est dans l'objectif d'assurer zéro accident sur chantier. On a élaboré plein de formations en ce qui concerne le travail en hauteur, les langages, le levage et plusieurs de sensibilisations matinales, quotidiennes et de formations internes et externes dans l'objectif d'améliorer le comportement sécuritaire chez les travailleurs. Nous assurons une mission d'assistance technique pour le maître d'ouvrage, pour la vérification et le suivi des études et travaux du constructeur. Parmi nos missions, nous inspectons les ouvrages en cours de construction sur chantier. C'est une mission qu'on a pu assurer, alhamdoulilah, dans le strict respect des conditions sanitaires qu'exige la crise que nous connaissons tous. Une des étapes importantes qui a été franchie est le démarrage des travaux du noyau de la tour à l'aide d'un coffrage spécifiquement réalisé pour ce projet. Donc un coffrage sur mesure qu'on appelle coffrage autogrimpant. Et autre étape, jalon important, qui a été passé avec succès, alhamdoulilah, c'est la réalisation des premiers planchers du socle avec des dalles alvéolaires précontraintes qui sont des éléments préfabriqués. Donc nous nous efforçons et nous ménageons pas nos efforts pour accompagner ce projet iconique, emblématique d'intérêt national à la satisfaction de tous qu'on le réalise dans les meilleures conditions de qualité, de coût et de délai.